Bonjour, bienvenue dans cette Université de la Terre qui a commencé ce matin brillamment, je crois. Vous avez dû, pour certains d'entre vous, assister à un débat avec Jacques Attali. Et là, on me donne la lourde tâche d'animer un débat sur être homme, c'est être responsable. Vaste sujet philosophique, évidemment, auquel on peut évidemment... sur lequel on peut gloser longtemps, mais auquel on peut aussi apporter des réponses concrètes. Très concrètes, et c'est ce qu'on va s'employer à faire cet après-midi pendant une heure et demie, où je vais accueillir dans quelques instants trois intervenants de grande qualité qui sauront répondre à cette question brillamment. Et la règle du jeu, c'est qu'ils s'expriment d'abord, qu'ils répondent à quelques questions que je pourrais leur lancer à la volée. Ensuite, il y a un panel de jeunes étudiants qui vont les interpeller, comme on dit aujourd'hui, et qui leur poseront quelques questions auxquelles, en groupe, ils ont réfléchi. Et puis, enfin, eh bien, si vous êtes sages, mais j'en en doute pas deux secondes, on donnera la parole au public et on vous donnera la parole pour que vous puissiez, les uns et les autres, brièvement, je vous demanderai, posez vos questions, des questions simples, courtes, et auxquelles ils puissent répondre facilement. Donc, j'appelle pour commencer sur ce sujet fort intéressant Christian Courtin-Clarins, qui est le président du conseil de surveillance du groupe Clarins. Et qui est le fils aîné du fondateur du groupe Clarins, qui compte aussi aujourd'hui d'autres marques, vous nous le détaillerez tout à l'heure, et qui est un passionné de la défense de l'environnement, qui a découvert, je vous en prie, asseyez-vous, qui a découvert cela il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, il va nous l'expliquer, 30 années, et qui a mis tout son groupe, d'une certaine façon, en ordre de marche pour justement concilier ces métiers de base avec l'exigence du respect de l'environnement. Il s'est toujours impliqué dans ces sujets, il le dit depuis 30 ans. Et il se trouve que les deux partenaires de débat qu'il aura à côté de lui cet après-midi le connaissent bien et collaborent de loin ou de près, il nous le dira, ils nous le diront, avec le groupe Clarins. La deuxième personne que je vais appeler sur scène, il est très connu, il a gagné deux fois la route du Rhum. Il navigue sur les océans depuis l'âge de 19 ans. Et il y a de nombreuses années aussi, il s'est dit, en naviguant, en voyant
l'eau, la mer, les océans, qu'il fallait agir. Il fallait agir pour justement préserver ce patrimoine-là. Et aujourd'hui, eh bien, toute sa philosophie, c'est que l'homme doit œuvrer, doit apprendre à œuvrer avec la nature et non contre elle. Il a même créé une fondation qui œuvre pour la défense de l'environnement. Il va nous le dire. Et vous allez préalablement à son entrée en scène regarder un petit film qui va vous être diffusé. Après, je vous dirai qui c'est, mais je pense que vous l'aurez reconnu sur les images. Je ne sais pas si j'ai choisi la voile ou comme la chanson de Renaud, la voile s'est imposée. La mer est arrivée comme ça. Je suis issu d'une famille de terriens, hein, la famille Jourdain est sédentaire de la pointe bretonne depuis des générations, travail de la terre. Des joyaux, Jean Le Cam, Jean-Luc Nélias, on était voisins. Donc il y a une émulation qui se fait de bonheur. On est au bon endroit, au bon moment, il se passe quelque chose et puis il y a de l'émulsion, quoi. La compétition m'a fait sortir des choses de l'intérieur que je ne soupçonnais pas. Mon sport, c'était le football. J'avais besoin que les gradins soient les plus écartés possible, que les lignes de démarcation soient les plus éloignées possible aussi. Un jour, je me suis intéressé à cette ligne d'horizon que je voyais au bout de la baie. Et puis voilà, c'est parti comme ça. J'ai passé des années de recherche à la performance sur tout type de matériaux. Jusqu'au moment où on se pose la question, quoi. En écoutant la radio, en voyant ce qui se passe, en voyant ce qui se passe dans l'eau, etc. C'est-à-dire le modèle ne va peut-être pas continuer longtemps comme ça. Demain, la quête, ça sera de faire plus vite et plus propre, et pas seulement plus vite, quoi. Je fais partie d'un monde dans lequel j'ai envie d'apporter ma contribution, une petite goutte d'eau. Donc j'ai mes réalités, je pense que dans le métier, dans la profession de coureur au large, avec mon équipe chez Kairos, on a développé des savoir-faire, une certaine rigueur, une certaine approche des éléments naturels, de la pression de la compétition, de la concurrence, de la vie de tous les jours d'une entreprise. Et se dire, au sein de cet écosystème-là, on va tous essayer de faire des efforts. On va aller vers ces alternatives, ces biocomposites. Essayons nous-mêmes, accordons-nous le droit à l'erreur, l'essai-erreur. Et apprenons. C'est parti vraiment de cette passion d'apprendre, quoi, tout, très, très simplement. Moi, je suis bon en rien. Hein. J'essaye juste de m'entourer et c'est valable tout le temps dans ma vie. En l'occurrence, dans le domaine des biocomposites, avec les compétences et l'énergie de mon équipe interne, il fallait, puisqu'on voyait des ouvertures, s'entourer. Et nous avons en particulier un partenariat avec l'IFREMER, donc depuis 5 ans maintenant, sur la caractérisation de ces matériaux. Nos premiers vaisseaux nautiques ont été des surfs prototypes, puis des stand-up paddles, ces grands surfs sur lesquels on est debout et on pagaye. Et depuis quelques mois, un trimaran de 23 pieds et demi, donc de 7,20 m de long, entièrement en matériaux végétaux et en résine partiellement biosourcée, qui navigue, qui a fait un tour de Bretagne, qui maintenant est dans l'hémisphère sud en période de navigation, mais en période d'essai pour nous, puisque lorsqu'il reviendra au printemps 2014, il sera autopsié par nos soins, on a fait des mesures, etc., des prises de poids, et on aura fait un pas de plus en avant. Ouais. Il faut être cohérent jusqu'au bout entre nos locaux, notre base d'accueil logistique et technique. On a essayé de la concevoir le plus proprement possible. 80% de la pollution des océans vient de la terre. Si on veut être cohérent, il faut démarrer à la source. Et la source, c'est notre vie quotidienne. Une écurie de course sur l'arche, c'est une entreprise de tous les jours. Je suis intéressé par le biomimétisme depuis que je suis grand comme ça. Quand je vois une truite se mouvoir dans un ruisseau, quand en naviguant je vois un albatros, j'ai toujours voulu que mes voiles ressemblent à une aile d'oiseau. C'est tellement adapté. Qu'est-ce qu'en naviguant avec nos 5 couches de vêtements et nos cirés, on a à apprendre à un dauphin qui vient nous dire bonjour à 30 nœuds et qui repart à 35 nœuds dans l'autre sens. La nature sait tout faire. On a eu la sotte idée, le temps d'un petit siècle, de se dire qu'on savait tout mieux qu'elle, qu'on luttait contre et on a oublié de faire avec.
et c'est impossible, puisqu'on en fait partie, nous, de cet écosystème. Et la nature a tout inventé. La nature, elle sait faire tenir les choses debout, elle a des structures, des systèmes de collage. Techniquement, on a tout à apprendre d'elle. Et comme nos neurones sont quand même pas trop mal faits, on a une somme de possibles vraiment superbes à réaliser. C'est mon point de vue. Ça sera pas simple, c'est sûr. Il faut juste réapprendre à ouvrir les yeux différemment, quoi. Et les possibilités sont là autour de nous. Vous l'avez reconnu, c'est Roland Jourdain. Alors, troisième intervenant, ben vous le connaissez aussi très bien. Lui, on va plutôt dans les airs, on monte en altitude. Donc, c'est le fondateur de Solar Impulse, qui est psychiatre de formation et de métier à l'origine, et qui a effectué le premier tour du monde en ballon sans escale. Alors, il est d'une famille d'explorateurs, de scientifiques, qui va nous expliquer probablement tout ça. Il est aussi ambassadeur itinérant pour les Nations Unies. Et lui, il allie, comme Roland d'ailleurs, d'une certaine façon, la science et la nature, puisque c'est aussi scientifique de naviguer. Et il va nous montrer en quoi tous ces grands défis sont aussi des défis posés à l'homme et qu'il doit relever devant et avec la nature. On va regarder aussi de lui un film qui a été programmé, que je vous invite à observer. Attempting the first solar flight around the world. This is the story of two men. Bertrand Piccard, psychiatrist and explorer, and André Borschberg, engineer and entrepreneur. A team driven by a vision of the future and a passion for innovation. And the first airplane of perpetual endurance, able to fly day and night without fuel. Together with their partners, they want to show the power of pioneering spirit and clean technologies to bring solutions for a better world. Solar Impulse, the adventure showing that change is possible. It's a bit the moment of truth, because you simulate, you calculate, you imagine, but there is nothing like testing and doing it in real. We deeply believe that we can achieve impossible and incredible things with renewable energies, like flying around the world with no fuel. And if this works, of course, everybody can do it on the ground to make a cleaner world. And this can be your way to be with us in the plane. And this was a scene in Abu Dhabi early this Monday. Dans ce journal également, ultralight plane is powered only by the sun's rays. Between March and July 2015, Bertrand Piccard and André Borschberg have flown without a drop of fuel from Abu Dhabi to Oman, across the Arabian Sea to India, Myanmar, China, Japan, and over the Pacific to Hawaii. How are you feeling after all that time? You broke a world record in terms of solo flight a few hours ago. Today, the challenge is no longer to conquer the moon. The challenge is to conquer quality of life on Earth. Our world desperately needs the implementation of clean technologies to reduce the energy consumption and the waste of natural resources. Hotel India Bravo, turning final, 02 right. This airplane is not built to carry passengers, but to carry a message.
the world could reduce half of its CO2 emissions by replacing old polluting devices with new clean technologies like those on Solar Impulse. But for this, we need political courage and pioneering spirit. Inspiring generations, promoting innovative solutions to the challenges of humanity, inventing a brighter future. The first half of the endeavor is already a success. Solar energy made it possible to fly 5 days and five nights, crossing an ocean and remaining airborne longer than any jet plane in history. Will 2016 see the completion of this pioneering adventure, flying 20,000 kilometers from Hawaii to Abu Dhabi? Like Solar Impulse, the clean tech revolution has taken off, presenting new ways of thinking and doing to achieve the impossible. And you can be a part of it. Bertrand Piccard. Bienvenue à vous trois. Alors, ils font mine de ne pas se connaître, mais ils se connaissent très bien. Et donc, on va passer un peu plus d'une heure ensemble, près d'une heure et demie. Alors, ma première question va aller vers vous, Christian Courtin-Clarins. Comment on fait quand on est, question un peu bête, mais quand on a des obligations de résultats, quand on est à la tête d'une grande entreprise, comment on fait justement et comment on se réveille un matin en se disant, mais il faut aussi penser à mon environnement, penser aux produits que je fabrique pour que justement je sois moins polluant et que je pense à l'avenir de mes enfants. Alors, ça, on ne se réveille pas un matin, hein. C'est une conviction, et c'est vrai qu'avec le groupe Clarins, puisqu'il est né avec des plantes, on doit tout aux plantes, donc quand on aime les plantes, quand on les cultive, on apprend tous les dangers. Le mot biodiversité est apparu dans les années 80, le mot biomimétisme que Roland utilise, moi c'est mon père qui me l'avait appris. C'est-à-dire quoi d'ailleurs ? Alors, on s'inspire, on dit biomimétisme ou bio-intuition, c'est-à-dire qu'on s'inspire de la nature pour trouver des solutions. Donc quand on cherche des produits, par exemple anti-pollution, on regarde ce qui pousse le long des autoroutes. Il y a la lampsane qui est une très belle fleur. Quand on veut quelque chose de souple et de ferme, on s'est inspiré de la tige du tournesol, qui est une tige pas plus grosse qu'un doigt et qui supporte 3 kilos, qui bouge. On s'est inspiré du ginkgo biloba, qui était le premier arbre à revivre après Hiroshima. Et puis dans l'aviation, on s'est inspiré aussi des ailes du hibou. On s'est inspiré, les trains à grande vitesse se sont inspirés du bec du martin pêcheur quand il pénètre dans l'eau. Donc la bio-inspiration, c'est une source, l'albatros pour les navigateurs et certainement aussi pour dans l'aviation. La libellule, puisque moi j'appelle ton avion un peu la libellule. Dragonfly, en anglais c'est très, très joli. Donc, en s'y intéressant, et la biodiversité, c'est quelque chose aussi très important, c'est assez nouveau, et c'est là où on s'est aperçu de toutes les erreurs qui étaient faites dans l'agriculture, notamment dans la monoculture. Et donc on revient très fort, on en parlera peut-être plus tard avec la permaculture. Tout ça, c'est une science qui a été donc une conviction de protéger la nature, parce qu'on lui devait tout. Nous, on lui doit les produits de beauté. Et après, on pousse. Je dis toujours que les contraintes que l'on a eues au début pour devenir, de faire de l'éco-conception, en fait, nous ont amené à beaucoup de créativité. Beaucoup de produits ont été issus du biomimétisme, donc de l'étude de la nature. Beaucoup de nouvelles idées sont nées et ont fait des réussites commerciales. Je vais prendre comme exemple la réussite extraordinaire qu'on a eue avec les parfums Thierry Mugler. Car le rêve, quand on fait des produits de beauté,
c'est de pouvoir re-remplir, c'est-à-dire réutiliser les packaging. C'est difficile à cause des problèmes de contamination. Nous y sommes arrivés, on s'est posé la même question avec un parfum, et on a fait une source, c'est-à-dire que pour économiser du packaging, une boîte en carton, de la cellophane et un packaging, on a eu l'idée de demander d'aller re-remplir la même bouteille à la source. On économise 1 300 000 bouteilles par an, c'est-à-dire qu'en 10 ans, on arrive à des tonnages assez extraordinaires, et en plus, c'est une très très belle réussite commerciale. Donc même dans le monde de la glamour, des parfums Mugler, qui sont des parfums totalement de séduction, on est arrivé à avoir des idées. Et ça, c'était la contrainte qui a créé la créativité et qui nous a fait réussir. Et vous n'avez pas eu de mal à convertir et surtout à former bien vos techniciens, vos ingénieurs, tous ceux qui travaillent avec vous à cette cause? Alors, au début, il y a des gens qui sont passionnés, c'est-à-dire que je pense qu'on a trouvé beaucoup de personnes dans le groupe qui étaient passionnées, si vous voulez, par l'idée de donner un sens à leur travail, donc de protéger la nature. Il y en a qui n'aiment pas trop qu'on les force à changer. Je dirais qu'aujourd'hui, pratiquement la totalité du personnel... C'est combien de personnes d'ailleurs ? 10 000 personnes dans le monde. Est impliqué, puisque on a même, je dirais, des bonus qui sont faits pour l'encadrement, où 40% du bonus est lié à la protection de la nature et à des conditions humaines de travail qui sont très, très, très poussées. Donc pour moi, un cadre a une responsabilité de résultat. Je suis un homme d'affaires, donc je sais ce que c'est qu'un résultat. Mais aussi, dans ce résultat, il doit être proprement fait et surtout fait avec beaucoup de fierté. Comment vous avez rencontré Roland Jourdain ? Alors, Roland, je l'ai rencontré parce que en 99, j'ai fait un rêve. J'étais sur un bateau en Méditerranée. Vous savez que quand le vent d'Est est en Méditerranée, ça amène plein de saletés. Et le bateau était entouré de détritus, de bois, de tout ce qu'on voulait. Et la nuit, en pleine nuit, je me réveille et je voyais à l'époque, on faisait des sacs en plastique. Et je vois des sacs en plastique qui flottent tout autour du bateau. J'appelle le lendemain celle qui est devenue la directrice du développement durable en lui disant « on arrête les sacs en plastique ». Elle me répond gentiment « oui, vous êtes gentil, mais un sac en plastique coûte 3 fois moins cher qu'un sac en papier ». Je lui réponds « je m'en fous, ça répond un peu à votre question tout à l'heure sur les profits ». Et on a arrêté en 99 tous les sacs en plastique. Donc quand j'ai su que Roland fabriquait un bateau qui sortait du plastique, des matières, et qu'il avait réussi à faire un bateau et une planche à voile en lin, ça m'a beaucoup intéressé, on me l'a présenté, et puis alors ça a été, comme lui il aime le biomimétisme, comme c'est quelqu'un de totalement entier, c'est quelqu'un qui a des convictions, c'est ce qu'on aime dans le groupe Clarins, c'est ses convictions, donc je dirais que c'est passé très très facilement. Roland, alors c'est difficile de sortir du plastique ? Pour naviguer Le plastique, c'est fantastique, hein, comme le dit la publicité. Oui, c'est extrêmement difficile, d'ailleurs, hein, sortir de cette salle sans dire qu'on n'est pas assis sur du plastique, porté du plastique, etc. Il est partout, donc il a d'immenses vertus, il ne faut pas le renier. Ce qui est compliqué, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça ne peut pas durer pour toutes les raisons qu'on évoque. Donc c'est comment on fait. Mais j'avoue que moi, ma carrière de coureur au large, alors il y a des centaines de sortes de plastique évidemment, mais dans ce qu'on appelle la fibre au module, que Bertrand connaît bien pour son avion, faire des bateaux de course sur des avions, on ne sait pas faire mieux que du carbone aujourd'hui. Parce que c'est très léger, parce que ça a les vertus qui permettent d'amener très peu de carburant, voire pas du tout, avec du renouvelable. Donc il faut savoir peut-être, si on était plein de bon sens, si on gérait notre planète comme un bon père de famille, on dirait, j'ai un peu de carbone, je vais le garder pour les choses utiles et je vais l'économiser parce que ça dure plus longtemps. J'ai été un des premiers, moi, sur mes bateaux, à mettre les câbles qui tiennent les mâts en carbone, juste pour l'équation développement durable, c'est-à-dire que les autres matériaux, il fallait changer tous les ans. Un carbone, quand c'est bien réalisé, ça dure la vie d'un bateau, voire plus. Donc c'est plein d'équations comme ça que je tente de résoudre avec mes propres contradictions, parce qu'aucun d'entre nous aujourd'hui n'est parfaitement vertueux. On n'a pas de zéro émission de carbone, mais y tendre, c'est une belle utopie et on y arrivera. Et pour être vertueux, vous travaillez avec qui ? Qu'est-ce qui vous aide dans vos progrès, je dirais, technologiques ? Alors,
beaucoup de monde. En fait, pour faire simple, hein, déjà, comment c'est venu tout ça. Moi, j'ai vécu dans un monde, j'ai eu la chance, j'avais 20 ans, de faire un tour du monde avec Eric Tabarly. Sur un très grand bateau avec beaucoup de monde, moi qui naviguais sur des petits bateaux. Il est soucieux de l'environnement, lui, Tabarly ? Personne ne connaissait rien à l'environnement. On était dans un autre monde. Moi-même, j'aimais écailler la peinture des bateaux qui tombaient dans l'eau. Tout le monde nous disait que la dernière peinture qui sortait, éventuellement, il y avait un petit label éco, et même pas. Pour nous, c'était... Je pense que pour nos générations, j'ai 51 ans, c'était hors de propos. Et le tour du monde, pour moi, c'était... un tour infini, la planète était énorme, j'étais sur un gros bateau avec une idole des mers, un grand équipage, j'apprenais les choses. Et au fur et à mesure de mes tours du monde, je vais de plus en plus vite. Maintenant, en solitaire, je vais plus vite que je n'étais à 18 sur ce bateau avec Eric. Donc en proportion, la planète a vraiment bien rétréci et l'équipage s'est agrandi. Et j'ai une anecdote aussi qui m'a amené sur le chemin d'aujourd'hui, c'est dans ce premier tour du monde... On a débarqué en Afrique du Sud, j'avais 20 ans, je connaissais rien à la géopolitique mondiale, à ce qui pouvait se passer, et j'ai découvert ce qu'on appelait l'apartheid à l'époque, et on me disait, parce que ça m'a quand même choqué, c'était une planète que je découvrais, et que ça avait été toujours comme ça, et que ça serait toujours comme ça, et qu'il était impossible de changer les choses. 10 ans après, le jour où on gagne la Transat AG2R avec Jean Le Cam aux Antilles, c'est le jour de l'élection de Nelson Mandela en président de la République. Et a posteriori, je réfléchis toujours à ça parce que ce qui est impossible un jour ne l'est plus le lendemain. Donc toute notre démarche sur les biomatériaux, sur faire autrement, elle est issue de ce genre de réflexion. Avec qui vous travaillez alors ? Alors on travaille, on est parti par passion, une écurie de course au large, c'est un atelier avec beaucoup de ce qu'on appelle le composite, la résine, la peinture, les matériaux. On a commencé comme ça, moi par passion, en parallèle de découvrir le bilan carbone d'une activité, on s'est lancé dans récupérer des fibres de droite, de gauche. On a de la chance en Bretagne, on a des gens très actifs qui sont au Lifremer avec qui on avait déjà un partenariat technique sur de la fibre au module. L'université de Bretagne Sud qui est très avancée aussi sur ces sujets. Mais c'était vraiment l'idée de découvrir à l'atelier, toucher avec nos mains, faire le l'essai-erreur, surtout ne pas communiquer pour ne pas être taxé de greenwasher ou autre et d'apprendre. Et depuis on a fait du chemin pour être aujourd'hui pignon sur rue avec un bureau d'études et de réalisation dans ces domaines-là dans lequel les portes et les tiroirs se sont ouverts parce que on a eu de très belles rencontres entre-temps, comme le disait Christian, et nous travaillons ensemble sur des produits moins impactants qui sont des ingrédients. Je préfère le laisser parler de ça parce que s'il y a de la confidentialité, mais le chemin nous mène beaucoup plus loin que mes premiers essais-erreurs dans le monde du nautisme. C'est beaucoup plus cher de naviguer écolo-compatible. Non, c'est pas plus cher. C'est pas plus cher. Faut naviguer autrement. Je crois qu'il faut voir les choses autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, sur un bateau de croisière, quand on veut prendre du temps libre, quand on veut s'échapper des contraintes terrestres, est-ce qu'on a besoin de 2 frigos et un congélateur à bord ? Est-ce qu'on a besoin des écrans plasma ? Est-ce qu'on a besoin d'être en... On peut faire différemment. Donc, est-ce qu'on peut accepter le fait de mettre un peu plus ? C'est comme faire ses courses, en fait. Est-ce qu'on doit Je crois qu'on a plus de pouvoir aujourd'hui dans le portefeuille qu'on a dans sa carte d'électeur. Alors, on ne fera pas demain tous les bateaux en biomatériaux, on ne fera pas voler l'avion de Bertrand en biomatériaux, on ne fera pas gagner le Vendée Globe demain matin sur un bateau en fibre naturelle. Oui, mais peut-être qu'on changera le règlement des courses bientôt, que ce soit les courses de voile ou d'autres sports. En tenant compte des ressources de la planète, quoi. L'équipage, de toute façon, l'équipage de la planète, il y a moins de nourriture à bord. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Donc, ça va mettre plus ou moins de temps, mais on est des convaincus et ça fait boule de neige, quoi. Vous prendrez le départ du Vendée Globe l'année prochaine ? Mais si le sponsor de mes rêves m'attend dans la salle, oui, avec plaisir. D'accord. Alors, Bertrand Piccard, tout à l'heure, j'ai eu le droit à une petite confidence. C'est vous qui avez remis la Légion d'honneur à Monsieur Courtin Clarins. Oui, parce qu'il la méritait vraiment. Il la méritait vraiment. Et alors, comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Un ami commun m'a dit : je connais Christian Courtin Clarins et il aimerait te rencontrer. Et c'était à l'époque où le projet Solar Impulse était encore un
un programme PowerPoint avec quelques dessins. Et Christian m'a reçu dans son bureau, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Je cherche quelqu'un à soutenir parce que j'aime soutenir des gens qui ont des beaux projets. Donc j'aimerais savoir, j'aimerais me rendre compte par moi-même, il m'a dit, si vous êtes quelqu'un de sérieux, si vous êtes quelqu'un que je peux apprécier, si votre projet est valable, alors parlez-moi et puis je jugerai. » C'est intéressant comme défi, je vous promets. C'était dur ? Non ? Non. Non, c'est dur à partir du moment où vous n'êtes pas ce qu'il attend, que vous essayez de lui faire croire en cachant la vérité. Ça, c'est très dur. Ce n'est pas votre cas. Non. À partir du moment où vous êtes franc, honnête et ouvert, ou bien ça va ou bien ça ne va pas. Et là, ça a été. Parce que ce que j'ai dit et ce que j'étais, c'était ce que Christian cherchait. Et je crois que dans tout le projet Solar Impulse, tous les partenariats qui ont été créés étaient toujours des coups de cœur, c'était toujours des rencontres, c'était toujours des êtres humains qui avaient envie de participer ensemble à un projet qui était en même temps une aventure scientifique et en même temps au service de la protection de l'environnement. Donc ça sélectionne vraiment les partenaires potentiels. Il y en a des tas qui, sur le plan logique ou intellectuel, auraient pu être des partenaires de chez nous, mais sur le plan humain, pas du tout. Alors, vous êtes psychiatre de formation, de métier même, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment on arrive à être l'aventurier que vous êtes et dans ces conditions-là, dans les airs ? Parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est la promotion de la qualité de vie. Finalement, c'est ça qui fait un médecin. Le médecin, ou bien il est purement dans la recherche et puis il y a un intermédiaire entre lui et le patient, ou bien il est directement dans la clinique, dans la thérapie, et son but premier, c'est que ces patients se portent mieux. Et j'ai réalisé, après 20 ans de pratique comme psychiatre dans mon cabinet, que le bras de levier, la multiplication était vraiment faible. Hein. Vous travaillez 10 heures par jour, vous voyez 10 personnes par jour, c'est pas avec ça que vous allez aider le monde entier. Alors que si on a un grand projet d'aventure et d'exploration qui est hautement médiatisé et qui peut servir à promouvoir une meilleure qualité de vie, qui peut servir à parler aux médias, aux hommes politiques, aux entreprises, de ce qu'il faut faire pour que la vie soit plus digne d'être vécue, à ce moment-là, je pense qu'en tant que médecin, c'est le rêve. Et avec Solar Impulse, j'ai l'impression que j'ai pu créer un outil thérapeutique un peu à plus grande échelle. Parce que si on veut augmenter la qualité de vie sur cette planète, les énergies renouvelables et les technologies propres, c'est-à-dire tout ce qui permet d'économiser de l'énergie, a un sens fondamental. Donc c'est mon nouvel outil thérapeutique, je dirais. Et en fait, vous faites un peu de prosélytisme pour la cause environnementale, non ? C'est ça aussi votre but. Mais vous savez, ça fait un certain temps que j'ai arrêté d'être écologique pour essayer d'être simplement logique. Ah. Parce que, alors expliquez-vous. Quand on sait que 50% de l'énergie qu'on utilise est gaspillée parce qu'on utilise des vieilles technologies archaïques comme des moteurs à combustion, des ampoules à incandescence, des maisons mal isolées et des réseaux de distribution d'énergie qui ont 50% de pertes, mais quand on sait ça, on se dit on n'est pas logique. La logique, elle vise déjà sur le plan de l'efficience énergétique à remplacer ces vieux systèmes par des nouveaux systèmes plus efficients. Et ces systèmes existent. C'est ça qui fait voler Solar Impulse jour et nuit sans carburant, c'est les matériaux dont Roland parle pour son bateau, c'est toute cette science qui permet à Christian Courtin-Clarins d'être en avance par rapport à la protection de l'environnement et du commerce responsable, comme il aime à le définir. Donc on voit que l'écologie, ça a très souvent été une manière de menacer le confort des gens. On leur dit d'avoir moins de télévision, moins de voitures, moins de voyages, moins de tout. Et le résultat, c'est qu'à chaque élection, les écologistes perdent des voix. Parce que finalement, les gens ne veulent pas avoir moins, ils veulent avoir mieux et plus. Par conséquent, il faut leur permettre d'avoir mieux et plus, mais de manière propre, de manière logique, avec de nouvelles technologies. Et puis, tout ça, c'est possible. C'est tout à fait compatible avec le développement économique. Et on peut protéger l'environnement maintenant avec ce nouveau marché des technologies propres, qui est porteur d'espoir, qui est porteur de création d'emplois, qui est porteur de profit, et qui en même temps permet de diviser par deux les émissions de CO2. Alors justement, ça me permet de me retourner vers vous, Christian Courtin-Clarins, parce que là on vous voit avec des aventuriers soucieux de la préservation de l'environnement, mais on pourrait vous imaginer aussi dans une assemblée, alors je vais peut-être vous heurter, du MEDEF, où on parle croissance, où on parle productivité, où on parle productivisme, où on parle chiffre d'affaires.
Est-ce que, pour ceux que vous en connaissez beaucoup, les chefs d'entreprise, quel que soit leur secteur, sont aujourd'hui, en France au moins, mais vous êtes international, sensibles justement à eh bien, la préservation de l'environnement et à l'obligation de faire de la croissance, certes, mais de faire de la croissance intelligente? Oui, alors j'ai le bonheur de connaître beaucoup de chefs d'entreprise qui sont très impliqués dans le développement durable ou responsable, comme on l'appelle. C'est quoi le mieux d'ailleurs? C'est responsable, car il faut quand même être modeste, c'est-à-dire qu'on peut être amené à prendre des décisions et s'apercevoir que cette décision n'était pas la bonne et changer. Je vais vous donner un cas que je donne souvent pour le cas de Clarins. Il y a 15 ans, j'avais décidé que le parc automobile de Clarins serait avec des diesels, puisqu'on calculait en CO2. Et dès qu'on s'est aperçu qu'en fait, on avait été mal guidé, c'est-à-dire qu'on avait été mal conseillé, on est repassé à l'essence. Mais je garde quand même dans ma tête l'idée que peut-être que demain, on me dira que l'essence n'est pas aussi bonne que le diesel. Parce que pour l'instant, il n'y a pas toutes ces certitudes. Hybride. Alors, je suis comme toi, je conduis une voiture hybride depuis toujours, enfin depuis qu'elles existent, parce que je trouvais que c'était la solution. Donc, on peut prendre, mais par exemple, tout à l'heure, j'ai vu Jacques Rocher, qui doit être, j'espère, dans la salle, et avec lui et d'autres personnes du monde du luxe, que ce soit Chanel, que ce soit Hermès et d'autres compagnies, des fournisseurs, on a fait un cercle vertueux où nous nous mettons tous ensemble. Ça s'appelle comment ? Alors c'est NRSC, c'est Natural Resource Stewardship Circle. C'est pour ça que je préfère dire. Donc c'est un cercle d'amis, de gens qui sont responsables, qui sont à la tête de très grosses sociétés, et on a décidé d'avoir des actions en commun pour protéger la nature. Donc on a eu des actions sur le vétiver. Alors c'est des matières premières que l'on utilise, mais on a eu des actions sur le vétiver, on a eu des actions sur pas mal de plantes, sur certains matériaux, de façon à s'assurer qu'il y a à la fois qu'il n'y ait pas de travail pour les enfants, ou que quand il y en a, au moins on soit sûr qu'ils aillent à l'école et qu'on leur paye au moins un repas, ils aient un repas par jour. Donc on a su, si vous voulez, ranger nos couteaux de la compétition pour se mettre à table et faire des actions en commun. C'est pour ça que j'ai le plaisir, je suis très fier de travailler dans l'industrie du luxe, qui vend naturellement de la beauté, mais qui fait aussi tout pour préserver cette beauté sur le long terme. Car dans la phrase de Bertrand, ce qui me plaît, moi, c'est pour un futur clean. C'est-à-dire, il faut qu'on regarde le futur, mais un futur plus propre, et on peut y arriver. L'éco-conception est quelque chose qui est rentré chez nous. C'est une progression de tous les jours. C'est-à-dire que quand on fait un nouveau produit, on s'assure que ce nouveau produit est moins polluant que celui qu'on utilisait avant, car c'est vrai, on utilise encore du plastique, on utilise du verre. Aujourd'hui, le verre, on a des pots en verre pour la qualité des produits, on maintient le verre, mais on a baissé le poids de ce verre de 30%. Je vais vous donner un petit exemple qui m'a amusé, c'est les rouges à lèvres. Oui. On les a allégés de 15% du poids. Eh bien, si j'avais fait la même chose au début des lancements de rouge à lèvres, j'aurais économisé 5 tonnes de rouge à lèvres, c'est-à-dire plus que le poids de Solar Impulse, enfin de l'avion. Donc on peut, mais tout ça, ce sont des contraintes, comme je dis, qui créent la créativité. Ça devient un challenge permanent dans le groupe Clarins, et on y arrive avec des exemples, comme je l'ai donné tout à l'heure pour Mugler. Tous les parfums du groupe, qu'ils soient de Clarins, d'Azzaro ou de Mugler, sont tous recyclables. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une bouteille qui est sertie. On s'est débrouillé pour que... On ne s'est pas débrouillé. On s'est imposé de ne plus avoir de sertissage. Pourquoi ? Parce que quand une bouteille de parfum est sertie, quand vous l'achetez, vous achetez du verre et du plastique. Là, il suffit de déboucher, de dévisser, d'enlever le bouchon qui vous permet d'avoir le spray. Vous le mettez dans la poubelle, on met le plastique et vous mettez le verre dans l'autre. Ce sont des petits gestes comme ça, qui ne sont pas compliqués, mais qui font des grosses différences. Et je vous l'ai dit, pour Mugler, c'est 1 300 000 bouteilles en moins chaque année. C'est 13 millions en 10 ans. Mais là, les marques que vous me donniez, avec lesquelles vous réfléchissez, vous êtes associé, quant à la réflexion sur l'environnement, tout ça, c'est français. La compétition, elle est mondiale, elle est acharnée. Alors, je réponds, je ne sais plus lequel de vous a dit ça, mais la consommatrice, elle vote avec son portefeuille. Et aujourd'hui, je suis intimement persuadé que quand un homme ou une femme, surtout une femme pour nous, c'est qu'elle donne un sens à son achat, ça va faire la différence.
Quand on achète un produit Clarins ou du groupe, elle sait très bien qu'il y a une petite partie de cet argent qui va aller pour la préservation de la nature. C'est les actions qui nous ont permis de soutenir Solar Impulse et qui nous permettent de soutenir Roland. Et une autre partie qui va soutenir les enfants, car ça c'est la deuxième partie. Quand on protège la nature, eh ben on protège le futur, ce sont les enfants. Et nous, moi je suis très fier parce qu'il y a des femmes qui me disent « je suis fidèle à la qualité de vos produits ». Et en plus, je suis très fier, donc je serai votre meilleure ambassadrice. Et là, si vous voulez, je me repose. Les conseils d'administration m'intéressent moins que ça. D'accord. Roland, quand on est comme vous, à la recherche sans arrêt de sponsors, pour pouvoir faire les courses, pour pouvoir améliorer vos performances, pour pouvoir améliorer les matériaux que vous utilisez à la construction de vos... à la conception de vos bateaux, ça doit être plus facile, non, quand on s'affiche soucieux justement de la défense de l'environnement comme vous? Bah, la preuve que non, puisque ma dernière phrase tout à l'heure... Ah, c'était vraiment une bouteille jetée à la mer? Oui, enfin, oui et non, c'est-à-dire que... je suis vraiment passionné par ce que je fais d'une manière générale. Comme je disais tout à l'heure, la recherche sur ce monde de demain concernant les biomatériaux, les biocomposites, etc., c'est quelque chose qui a vraiment du sens. On vit dans un monde aussi de communication, de marketing et de ce que je disais tout à l'heure, de greenwashing. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter, en fait, parce que j'ai commencé cette activité-là, entre autres, parce qu'on dit que sur l'eau, je suis un bon client et que je sais bien raconter des histoires, là. Donc, au bout de X fois de me faire témoigner sur les sacs plastiques, je n'ai jamais vu de sacs plastiques, Clarins, Christian, mais il y en a plein d'autres, hein, mais, etc., je me suis dit, bon, au musée. Là, j'en ai marre de dire, c'est parce que c'est le discours de « faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais », parce qu'un bateau... tant qu'il navigue et à bord, on est assez, on vit assez frustrement. On n'emporte pas beaucoup de choses à manger. On est autonome en énergie quasi maintenant. C'est la force du vent qui nous pousse. Mais bon, le reste du bateau est impactant. Donc je voulais absolument faire. Et on est resté très secret au début. Parce que, à tel point que le milieu du bateau, je sais que le milieu de course, se demandait qu'est-ce que je faisais dans mon atelier si je ne fumais pas plus le chanvre qu'autre chose, quoi. Parce que pour toute innovation, je pense qu'il y a une réaction de retrait, à commencer par le propre milieu dans lequel on évolue. On a tous des freins comme ça. Et moi, je n'ai jamais revendiqué de faire le bateau de course de demain matin dans des fibres naturelles, mais c'est de rechercher pour de l'innovation. Ça fait 8 ans qu'on y est, depuis 2-3 ans on a des vraies preuves de réussite, etc. Et donc on est considéré comme des innovateurs positifs, mais ça fait une demi-douzaine d'années, on était encore des joyeux écolos baba cool, ce qui était quand même assez comique. Donc il y a toutes ces résistances là qui font que c'est pas forcément facile, mais qui rendent encore plus têtu. D'accord. Bertrand, alors vous êtes, on l'a vu d'ailleurs dans votre film, ou dans le film, on voit tous les journaux de 20 heures de la planète qui saluent, vous avez fait la une de tous les journaux. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, avec l'expérience que vous menez, d'ailleurs l'avion aujourd'hui, il est à Hawaï, hein, il faut le dire, et vous repartez au mois de mars, je crois, sur la côte ouest des États-Unis, en avril prochain. Vous êtes en fait le meilleur apôtre de l'écologie qui est sur cette terre, non ? Parce que tout le monde vous connaît. Non, mais ce serait totalement prétentieux de dire que je suis le meilleur. Je fais... Le plus connu, en tous les cas. Non. Mais je fais ce que je pense qu'il faut que je fasse, parce que chacun a des outils. Un chef d'entreprise, il a des outils pour aller dans cette direction-là. L'homme politique aussi. Moi, comme médecin et comme explorateur, mes outils, c'est l'aventure, c'est de montrer qu'on peut se dépasser, qu'on peut atteindre des rêves, c'est montrer qu'on peut se remettre en question, c'est montrer qu'on peut fonctionner toujours mieux, qu'on peut évoluer. C'est un hymne à l'évolution humaine. Et ça, j'essaie de le mettre au profit des technologies propres et de la lutte contre les changements climatiques et de la meilleure qualité de vie. Alors, c'est l'outil que j'utilise. Mais vous voyez, Bono, il fait exactement la même chose avec de la musique. Al Gore le fait avec des films et de la politique. Je crois que le pire, en fait, c'est de pouvoir le faire et de ne pas le faire.
Alors moi, je fais ce que je peux, et il y a beaucoup d'autres gens qui font ce qu'ils peuvent, et quand on se retrouve, on se dit, mais pourquoi il n'y en a pas plus? Et puis je crois que ce qui manque, c'est au niveau des grands décideurs politiques, parce qu'il y a un clivage incroyable entre nous tous qui sommes là dans cette salle. Mais si on est là dans cette salle, c'est qu'on est déjà convaincu. Donc il y a un biais. Ceux qu'on voudrait convaincre, ils ne viennent pas nous écouter. Ils ne viennent pas vous écouter si vous avez quelque chose à leur dire. Alors heureusement, cette semaine, ils sont à Paris pour COP21. Donc ça permet de donner beaucoup de conférences, beaucoup d'interviews. Et c'est vrai qu'avec mon équipe, on fait ça tous les jours. Et puis le reste du temps, eh bien, le seul moyen d'atteindre le monde politique, c'est les médias. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, beaucoup avec les médias. On a une grosse équipe de communication. Répondez-moi sincèrement, est-ce que vous avez le sentiment ou la conviction que le personnel politique, pas uniquement français, mais puisqu'il est réuni actuellement à Paris, ou il était réuni lundi dernier à Paris, pour ce sujet-là, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est responsable aujourd'hui, justement, de l'avenir de la planète ? Il se sent responsable. J'ai l'impression qu'il commence à se sentir responsable. Bon, moi, je vais être très clair, parce qu'en fait, c'est assez amusant de décrypter ce qui se passe. Vous voyez que dans les sommets politiques où il y a peu de monde qui vient, eh bien, il y a peu de monde qui vient. Mais c'est très profond, ce que je dis là. Alors, en décryptant, ça veut dire quoi ? Parce qu'il n'y a pas la masse critique qui fait qu'on va se faire voir avec des chefs d'État très haut placés. Là où François Hollande et Laurent Fabius ont fait quelque chose de formidable, c'est qu'ils ont réussi à inviter assez d'hommes politiques connus pour que tous les autres aient envie de venir pour être aussi sur la photo. Et vous avez cette photo magnifique de 152 chefs d'État ensemble, et ils voulaient tous être dessus. Mais le prix pour être dessus, c'était quand même de se préoccuper de changement climatique. Et c'était quand même d'arriver avec des solutions, et c'était quand même d'arriver avec les engagements de son pays. Donc ça, au niveau de ce qu'a fait la France, c'est brillant. C'est magnifique. Maintenant, ceci dit, parce que vous m'avez demandé ce que je pense de la conviction des hommes politiques, une bonne partie de ceux que j'ai rencontrés m'ont donné une impression assez curieuse. C'est qu'ils sont très forts pour arriver au pouvoir, mais une fois qu'ils y sont, ils sont perdus. Il n'y a pas qu'en écologie. Non, mais on croit qu'un homme politique, quand il est élu, il sait quoi faire. On croit qu'il a accès à des informations que nous n'avons pas. On croit qu'il a accès à des outils secrets qui permettent de faire marcher le pays. Mais en fait, pas du tout. Il se trouve là avec une bande de copains et puis ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. C'est des copains qui se tirent dans les pattes. Hein. Mais même ceux qui sont honnêtes sont souvent démunis. Moi, je me rappelle, j'ai été en Amérique du Sud juste après les élections au Chili et j'étais au ministère de l'énergie et le responsable des énergies renouvelables m'a dit « Le gouvernement précédent est parti avec tous les ordinateurs, tous les dossiers, les armoires sont vides, les tiroirs sont vides, on n'a rien. » Et Michel Bachelet nous a demandé de lui donner d'ici 2 mois une politique énergétique pour le pays. Mais les pauvres gars, ils ne savaient pas quoi faire. C'est ahurissant. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut essayer de les aider. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point les hommes politiques, enfin le monde politique en général, homme ou femme, est à l'affût de conseils, d'idées, d'encouragements, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et par conséquent, tous les messages qu'on peut faire passer, quel que soit le biais, c'est le bienvenu. Alors nous, on les fait passer à travers les médias. Et le but, ce n'est pas d'attaquer, le but, c'est de conseiller, c'est de proposer des solutions. Parce qu'entendre que les changements climatiques sont des problèmes qui coûtent cher, on a déjà tellement entendu ça que ça déprime tout le monde. Maintenant, il faut montrer que c'est des opportunités rentables pour ces nouvelles technologies et qu'il y a des débouchés industriels là-dedans et qu'il faut y aller. Donc, il faut les encourager. Roland, vous aviez quelque chose à ajouter là-dessus ? Non, à part de souscrire totalement. En fait, vous êtes les meilleurs ministres de l'écologie qui puissent exister, l'un et l'autre. Et vous aussi. Bah, oui, je pense, parce que j'allais ramener la balle à Christian, parce que voilà, il y a des managers d'entreprise, le monde économique, ce qui fait tourner un pays, c'est les entreprises. Et quand il y a un skipper comme Christian Courtin chez Clarins, on voit que
et ben voilà, l'équipage a ses rôles et la vision est donnée, et l'impulsion est donnée. Et pour avoir la chance de côtoyer l'équipage pour ces mondes de recherche, j'ai bien fait de venir. Hein, mais ça fait vraiment du bien parce qu'on parlait du sponsoring tout à l'heure. C'est-à-dire, ça me pose des problèmes un peu métaphysiques. C'est un peu schizophrénie, moi, mon métier d'être sur les bateaux les plus rapides du monde, qui ne sont pas forcément très sobres, avec pas forcément le financement très sobre. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est qu'il y a trois solutions, hein. Soit on arrête tout et on part élever des chefs dans le Larzac ou ailleurs, soit on devient extrêmement violent, c'est pas mon genre, soit on se dit on n'est qu'une goutte d'eau dans le système, mais essayons de le faire avancer. Et il faut qu'on le fasse avancer ensemble, chacun avec nos leviers. Donc quand il y a des partenariats techniques comme ça qui... voilà, le sillage se creuse et Christian peut aller parler à des hommes politiques à qui je n'ai pas l'accès et réciproquement peut-être moins au niveau local, etc. Bertrand dans son rôle. Donc moi je crois vraiment à l'effet boule de neige comme ça. Il faut prêcher auprès des convaincus, il faut que la boule de neige grossisse. Et ensuite, c'est l'histoire de la salle à moitié vide. Hein. C'est exactement ça. Et puis ensuite, les autres, ils viennent, quoi, parce qu'ils sentent que le coup est parti. Donc à partir de choses concrètes comme ça, on avance. Très bien. Il est exactement 15h25 à peu près. Ça fait 45 minutes qu'on parle et il y a un panel d'étudiants qui est dans la salle à qui je vais demander de poser ces questions. Avant que vous-même, dans cette salle, vous posiez vos questions. Aucune raison que je monopolise ce rôle. Alors, ils sont où, nos étudiants? Allez-y. Je vous demanderai de vous présenter chacun à cette occasion et de nous dire de quelle école vous venez. Allez-y. Bonjour à tous. Léonard et Marion de l'école Subbiotech. Donc j'ai une première question pour vous. Donc vous avez parlé de la conférence des Nations Unies. Vous adressez à qui? La question s'adresse à l'ensemble de vous trois, de vous quatre si vous voulez. Non, moi je suis là pour. Pas vous exclure. Vous avez parlé de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques et on s'est demandé comment le volontarisme politique qui se montre petit à petit pourrait engendrer une responsabilité qui serait individuelle, pourquoi pas collective, et même, on peut rêver, internationale. Très bien. Qui veut commencer? Qui veut ouvrir le feu? Là, c'est une... Christian. Alors, si vous voulez, je répondrai un petit peu dans le sens contraire, c'est-à-dire que c'est les individus. Aujourd'hui, j'ai plus le sentiment, alors je défends peut-être ma chapelle, que le monde industriel est bien en avance sur toutes les prises de position pour la protection de la nature, car nous avons des clients et ces clients sont extrêmement demandeurs. Du reste, je dirais que dans toute la salle, ici, vous êtes concernés et vous n'êtes pas les seuls à être concernés. Donc, on avance beaucoup plus vite que le monde politique. On est très heureux de voir et on espère que la COP21 sera un succès, avec ce qu'a dit Bertrand Piccard, c'est vrai, mais on attend quand même des directives, notamment des incitations. Si vous voulez, dans tout ce que l'on fait, tout à l'heure j'ai parlé de bonus pour les cadres qui s'occupaient à la fois du RSE et de l'environnement, je pense qu'il faut faire des incitations et non pas simplement des punitions. À chaque fois qu'on parle d'écologie, on nous parle d'une punition. On pourrait aussi récompenser... Ça c'est le message de Ségolène Royal, l'écologie punitive. Oui, c'est... C'est pas bien. Non. D'accord. Non, parce que si vous voulez, ça incite pas. C'est-à-dire, si à chaque fois, on sait pour se prendre un coup de bâton. Non, il faut plutôt inciter à faire bien. Et je pense que les pouvoirs politiques ont les moyens de faire. Alors, je ne réponds pas totalement à votre question sur les Nations Unies, car contrairement à ce que vous pensez, je suis très, très peu dans le monde de la politique, car j'ai le bonheur de pouvoir agir. J'ai le bonheur d'avoir des troupes qui répondent tout de suite à ce que l'on dit. Et je rejoins Bertrand, c'est que quand nos politiciens, malheureusement, ne peuvent pas agir. Et aujourd'hui, il y a très peu de... On voit qu'on change les ministres. Moi, à chaque fois qu'il y a des changements chez les ministères, je parle de la France, je suis toujours étonné parce qu'on met des gens qui n'y connaissent rien.
Non, mais c'est vrai. C'est comme si moi, je prenais la directrice de formation pour la mettre directrice de la finance et mon directeur financier pour le mettre à la formation. C'est ce qu'on fait tout le temps. Alors, de temps en temps, il y a des ministres, on s'aperçoit, ils sont très bons. Et ceux-là, ce sont ceux qui connaissent leur métier. Mais ce changement m'a toujours étonné. À chaque fois qu'il y a un changement de ministère, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il va faire là? Et c'est pour ça qu'ils sont un peu perdus, parce qu'ils arrivent là-dedans, ils ne connaissent pas. Moi, j'ai eu dans les ministres de l'Environnement en France, j'ai eu le plaisir de connaître Borloo. Borloo, il connaissait bien la musique. C'est-à-dire qu'il faisait avancer. Pour moi, ça a été un très, très bon ministre de l'Environnement. Nathalie aussi. Et Ségolène, elle aime ça. Mais pour moi, le meilleur, c'était Borloo, parce qu'il connaissait. Vous voyez, donc c'est... avant, je crois que ça part de nous. C'est-à-dire que nous, on va voter. Demain, on va en France, on va aller voter. Bon, c'est difficile parce que comme dans... Ça a été ces élections régionales, au fond, c'est comme le disait ce matin M. Attali, ça a été... on vote contre. Il n'y a aucun programme. C'est-à-dire que si je vous demande qu'est-ce qui a été dit sur la protection de l'environnement pendant les régionales en France, qui est un sujet extraordinaire puisqu'on est en pleine COP21, c'est zéro. J'ai rien entendu. Ou alors je dois être sourd, mais j'ai entendu que du contre. Je suis contre lui, je suis contre ça, sans intérêt. Je me trompe ou j'écoute pas, je lis pas, j'écoute pas assez les... Je nuancerai un peu, mais vous avez sans doute raison. vous voulez répondre à cette question également, Moi, je pense, Roland, qu'il y a beaucoup de mots philosophiques de votre question, et je pense que maintenant, pour être plus concret, il faudrait de la psychologie plutôt que de la philosophie. Et je pense qu'au niveau psychologique, ce qu'on voit, c'est que les êtres humains ne changent que quand ils y sont forcés par une crise ou quand ils ont un intérêt direct et personnel à changer. Alors, la crise, elle n'est pas encore suffisamment là pour faire changer la société. Et l'intérêt personnel à court terme, on ne nous le donne pas parce qu'on nous dit qu'il faut changer pour les générations futures et pas pour nous. Ce qui est complètement faux. Il faut changer pour nous. Il faut changer parce qu'aujourd'hui, on a déjà la possibilité d'augmenter la création d'emplois et le développement industriel grâce aux technologies propres qui sont un immense marché qui va protéger l'environnement. Alors, si les gens n'en prennent pas suffisamment conscience, eh bien, il faut un cadre légal. Et c'est amusant parce que chaque fois qu'on parle de cadre légal dans ces situations-là, on dit « Ouh là là, mais pourquoi il faut des lois et puis des taxes et puis des trucs ?» Mais il y a des cadres légaux pour tout dans notre monde, pour pouvoir fonctionner en société. Il y a des cadres légaux pour la justice, pour l'éducation, pour l'hygiène, pour la santé, pour la sécurité, mais pas pour empêcher le gaspillage énergétique. Et moi, vraiment, mon grand cheval de bataille, c'est que les changements climatiques ne sont pas dus au CO2. Les changements climatiques, ils sont dus au fait qu'on gaspille de l'énergie et que ce gaspillage d'énergie fait du CO2. Le CO2, c'est le symptôme. Alors attaquons la source. Et la source, c'est notre gaspillage énergétique permanent. Et c'est à ça qu'il faut remédier. Et les entreprises sont prêtes à le faire, mais pour éviter les distorsions de concurrence, il faut pouvoir créer un équilibre entre toutes les entreprises. Et ça, il n'y a que le cadre légal qui le fait. C'est les grandes entreprises qui demandent finalement un cadre légal pour savoir dans quelle direction il faut investir. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Pourtant, vous avez dit pas d'économie d'écologie punitive, hein? Il n'a pas dit punitif. Non, il a dit légal. Un cadre légal n'est pas punitif. Non, mais on peut... Alors, je rajouterais, si vous voulez, incitation, c'est-à-dire incitations. Bien sûr. Puisque ça répond à ce que disait Bertrand, c'est qu'il faut un intérêt. Donc, l'incitation, pour moi, c'est l'intérêt. Bien sûr. Une autre question. Alors, moi, j'avais aussi... Vous vous appelez comment? Vous venez de quelle école? Oui. Alors, moi, c'est Marion Canalé, je viens aussi de Subbiotech, je suis en deuxième année. D'accord. J'avais aussi une question pour l'ensemble des conférenciers. Monsieur Picard, vous avez déjà commencé à introduire le terme de prise de conscience. Donc ma question serait, donc, dans un contexte de transition écologique et donc en pleine prise de conscience des conséquences au réchauffement climatique. Voilà, au réchauffement climatique, merci. Comment la responsabilité humaine pourrait être sensibilisée? Roland. À notre échelle. Vous avez le temps d'y penser, vous, quand vous naviguez, non? Non? Oui, qu'est-ce qu'être responsable? Pourquoi on se lève le matin? Pourquoi on se lève le matin?
parce qu'on a des envies, parce qu'on a des objectifs, parce qu'on a envie de vivre ou de survivre, mais on veut aller vers quelque part. Donc à partir de là, on est responsable de son destin. J'avais quelque chose à suivre que j'ai perdu, mais je ne... Excusez-moi, hein, parce que vraiment j'étais sur mon point. Vous vouliez aller plus vite que... Pardon ? Pourquoi on se lève ouais, le matin ? Pourquoi non, sur le principe de responsabilité. Moi, je me suis embarqué dans cette aventure des biomatériaux. Ça m'a fait redécouvrir un monde. Je suis issu du milieu de la terre, j'ai découvert la mer, donc je suis du vert et du bleu. Pour différentes raisons, le parcours professionnel nous fait avancer. On change, on fait des rencontres. Et le modèle que je croyais bon s'est fissuré. J'en ai découvert un autre. Et au travers de ce modèle-là, sur les ressources, etc., on s'est dit, tiens, mais il y a des gens qui font autrement. Et ça donne envie d'ouvrir un tiroir. Nous, ça nous a donné envie, dans la mesure de notre petite entreprise, on avait un sponsor, je travaillais à 100% dans ce domaine du sponsoring-là, dans mon écurie de course, et du jour au lendemain, le sponsor est parti. Donc on s'est trouvé comme une entreprise qui n'a qu'un seul client, et le client s'en va. Donc là, on est responsable d'un tas de choses, de sa propre vie, de la vie de son équipage, de ses employés. C'est combien de personnes en tout ? On était une dizaine de personnes. Donc il faut se réinventer un avenir, donc il faut déjà d'abord... dialoguer, communiquer, enfin pour moi c'est une grosse première partie du développement responsable. On est le vivre ensemble, c'est important, et quel avenir on va s'inventer ensemble. Et c'est ce qui nous a donné entre autres l'envie de continuer dans le domaine des biocomposites et des biomatériaux, parce que voilà, on sent qu'il y a des choses, il y a un modèle économique à développer là-dedans. Et il y a plein de choses à faire. Et puis on a rencontré aussi du monde. Moi, je rencontrais les gens qui étaient dans le domaine de la compétition, qui poussaient plus loin le bouchon avant. Et on a créé un fonds de dotation qui s'appelle Explore, tout simplement sur le constat de se dire, ben, c'est quoi la planète ? Les grands explorateurs, ils ont fait leur boulot. La planète qu'on croyait infinie, ben, elle est toute petite. Les satellites, aujourd'hui, nous photographient au centimètre carré notre planète. Donc, le boulot des grands explorateurs sur les ressources inconnues et sur les territoires inconnus, il est fait. Les explorateurs de demain, c'est ceux qui vont nous aider à comprendre, à vivre ensemble, quoi. Donc comprendre la planète sur laquelle on est, gérer mieux ces ressources pour l'équipage, donc innover, donc partager les idées pour trouver d'autres modèles qui soient très techniques sur de petites choses ou des modèles de vivre ensemble, pour sensibiliser le plus grand nombre et pour qu'on soit le plus grand nombre dans la barque, quoi. Et en fait, de notre petite, voire grosse difficulté économique, dans notre petite entreprise qui faisait une douzaine de personnes, aujourd'hui, au sein de l'entreprise, on est entre 6 et 8, on a 2 personnes qui sont employées dans notre fonds de dotation, et on a une myriade de projets autour de nous, donc c'est une joyeuse cacophonie d'un nouveau modèle, ce qu'on peut appeler le collaboratif, c'est le partage d'idées, et il y a de l'émulsion. Et pour moi, c'est une forme de responsabilité parce qu'on a réussi à muter un petit écosystème. C'est ça le fonds Explore ? Oui, tout à fait. Donc, on veut des exemples par le concret. Donc, uniquement sur l'eau, hein, c'est tout. Non, ce qui... pas du tout. Non, parce que 80% de la pollution des océans vient de la Terre. Donc, je veux absolument pas faire le distinguo. C'est vrai que les océans ont une capacité de digestion incroyable. Donc, on a encore eu de la chance jusqu'à présent, mais c'est tout ce qui vient de la Terre qui les pollue. Donc ce sont des projets, on épaule, on incube en fait des projets de jeunes explorateurs qui sont... Des startups. Des startups en devenir. Le fonds de dotation Explore est un projet d'intérêt général. Donc on donne le petit coup de pied aux fesses pour que ça devienne une startup. Alors ça passe par le développement de la fibre de jute au Bangladesh. Un gars formidable qui s'appelle Corentin de Châtel-Perron que je vous invite à lire et à regarder parce que c'est quelqu'un d'incroyable qui, par ses jeunes yeux d'ingénieur naval, a découvert au cours d'un stage au Bangladesh, a redécouvert la fibre de jute qui a fait nos sacs de pommes de terre, nos sacs postaux, etc. et qui a été remplacée par le plastique. Au Bangladesh, il y a un ministère du jute, donc c'est quelque chose d'excessivement important qui employait des millions de personnes.
et c'est une industrie qui est en décrépitude parce que le plastique est arrivé. Et Corentin, à l'instar de ce qu'on fait nous avec le lin, le chanvre ou d'autres matériaux, après une première aventure rocambolesque sur un bateau construit moitié en fibre de verre et moitié en sac de pommes de terre, a embarqué avec lui dans l'aventure toute une génération de jeunes ingénieurs qui travaillent là-bas au Bangladesh. Et ça y est, la phase de pré-industrialisation arrive et ils sont en train de faire quelque chose de formidable. Vous en avez combien de projets comme ça actuellement ? On a cinq projets. Comme ça, ouais. Dans le monde entier ? C'est pas uniquement... Dans le monde entier, donc Bangladesh, Polynésie, une expédition revient du Groenland, l'expédition Under the Pole est revenue avec une moisson de scientifiques et de magnifiques images. Ils ont un record du monde de plongée sous la banquise, etc. La Bretagne aussi. Et Corentin partira au mois de février de Concarneau pour 2 ans et demi de tour du monde pour développer ce qu'on appelle les low technologies. Les moyens, les systèmes les plus simples, de plus grande diffusion pour le plus grand nombre, que ce soit sur l'énergie, l'alimentation, les soins, etc. Donc le bateau servira de laboratoire à des finalistes d'un concours qui est lancé mondialement sur Internet, toutes inventions confondues. Donc je vous invite d'aller poster d'ailleurs vos inventions parce que et ce sont des choses qui paraissent soit bêtes, donc on n'ose même pas en parler. Ou soit irréalisable. Et ben voilà, comme disait, c'est Mark Twain, non ? Il pensait que, il savait pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Bien c'est sûr. Ça. Le site internet là. Donc vous tapez Explore Jourdain et vous êtes sur le site du fonds de dotation. Hein. D'accord. Une autre question ? Alors, Sarah de la Sorbonne. Sorbonne, en quelle matière, en quelle année ? En première. Première en année ? En lettres. En lettres ? Voilà. D'accord. Donc, cette question s'adresse à Monsieur Christian Courtin-Clarins. Donc, y a-t-il au sein du groupe et dans ses filiales un sens collectif de cette responsabilité devant l'avenir de la planète ? Oui, absolument. J'ai la chance d'avoir pratiquement l'ensemble des patrons des filiales. Nous avons 22 filiales dans le monde et toutes les filiales sont concernées, ont toutes des actions pour la protection de la planète. C'est Bertrand a dû en voir pas mal au long de... Même quand il était en Chine, puisque mes équipes chinoises sont allées, entre parenthèses, l'accueillir et ont participé à tout. Non, il y a une très grande conscience. C'est quelque chose, si vous voulez, qui est partagé et qui donne beaucoup de fierté. C'est qu'à tous les patrons, l'effet secondaire, c'est-à-dire de la motivation de l'ensemble des collaborateurs d'un groupe, quand la société donne un sens, si vous voulez, à ce qu'elle fait est extrêmement important. C'est pour nous, c'est un ciment. C'est-à-dire que ce ciment de la protection de la nature et de la protection des enfants est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Je vais vous donner un petit exemple. On fait un prix pour récompenser des femmes. Il y en a une qui est ici, en tout cas aujourd'hui, qui s'occupe d'enfants. Alors, ce sont soit des enfants qui ont une maladie, soit des enfants qui ont été battus ou violentés, soit des enfants qui n'ont pas assez d'éducation, soit des enfants qui n'ont pas accès à de la nourriture tous les jours. Eh bien, rien que l'ensemble du personnel français, c'est-à-dire à peu près 2000 personnes, chaque année collecte 200 000 euros pour le donner à ces femmes. Donc j'en suis très fier. Et c'est quelque chose qui vous montre l'adhésion du groupe. Et ça, on le fait dans le monde entier. Et voilà, donc c'est une responsabilité. Alors, dans le mot responsabilité, je dis toujours, quand on dit t'es responsable, ça veut dire quoi ? Je suis coupable ou je suis garant ? Chez nous, on est garant, c'est-à-dire on ne se sent pas coupable, on dit qu'on est garant d'une amélioration de tous les jours et c'est quelque chose que l'on a transmis. Et il y a un deuxième élément qui est important et que je partage avec Bertrand et Roland, c'est quelque chose, c'est à chaque fois on doit se poser cette question, maintenant que tu sais... Qu'est-ce que tu fais ? Et ça, si vous voulez, il faut absolument y répondre. Et ce sont je vais vous appeler des faiseux. Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Alexandre Jardin. Il est toujours... Les faiseux. Les faiseux. Et donc, ce n'est pas des diseux. Et nous aussi, nous ne sommes pas des diseux, nous sommes des faiseux. Et ça, c'est extrêmement important. J'avais une question pour vous, Bertrand. Vous parliez de la Chine tout à l'heure, vous êtes croisé. Est-ce que c'est possible d'être écologiquement responsable quand on est en Chine, chinois ?
de ce que vous avez vu. Mais vous, il y a un malentendu, mais total avec la Chine. On dit que la Chine pollue et que l'Europe pollue moins. Vous savez pourquoi ? Parce que l'Europe délocalise sa production en Chine. C'est vrai. Donc c'est notre pollution qui est là-bas et qui empoisonne les Chinois. Donc je peux vous dire une chose, c'est que les Chinois sont extrêmement conscients du fait qu'ils doivent développer des technologies propres. Ce sont les premiers maintenant en termes d'énergie renouvelable, solaire et éolienne. C'est les premiers qui sont en train de chercher à mettre de la mobilité électrique. Quand vous allez à Shanghai, la plupart des motos sont électriques maintenant, puis vous avez des bornes de recharge devant chaque magasin. Les Chinois sont très, très conscients de ça. Et en plus, ils agissent. Donc, il faut vraiment essayer de sortir de ces clichés comme ça. C'est même pas une question de responsabilité. C'est une question qu'ils savent que c'est leur survie. Et ils le font comme un marché technologique. Et c'est très bien. Vous savez, il faut vraiment sortir de ce côté de la durabilité, du développement durable et des changements climatiques qui sont pesants, qui sont ennuyeux, qui sont menaçants. On a un très bel exemple dans nos partenaires. C'est Moët Hennessy. Moët Hennessy a fait un slogan « Celebrate sustainability ». Ça me plaît. C'est quelque chose qui montre qu'il y a un engouement, ça emmène les gens, ça les enthousiasme. Et en Chine, la seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on critique la situation écologique sans amener de solutions. Dès que vous amenez des solutions, vous êtes accueilli en héros. Une dernière question peut-être du panel avant de passer au public. Non ? Le panel est épuisé. Alors, on va demander si dans la salle, il y a des personnes qui veulent poser une question à l'un ou l'autre des intervenants. Je vois une personne là-bas, oui. Oui, bonjour, je vous ai entendu parler tout à l'heure du rôle du politique dans la transition énergétique. Moi, j'ai quelques doutes sur le rôle du politique, parce que normalement, le politique, c'est ceux qui sont chargés de nous guider, d'avoir une vision prospective. Or, qu'est-ce qu'on en voit ? Lors de la loi sur la transition énergétique, notre ministre de l'écologie avait dit « Ah bien, c'est simple, il faudrait effectivement aligner le prix de l'essence et le prix du diesel, mais finalement, c'est un objectif, mais c'est pour 2019-2020. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu le scandale Volkswagen, et là, d'un seul coup, on s'est dit « Ah bien, on va augmenter d'un centime d'euro le prix du gasoil et baisser d'un centime d'euro les prix de l'essence. » On a l'impression que le politique n'agit qu'à partir du moment où il s'est fait un peu tordre dans le bras par les événements. Par rapport à l'entreprise, j'avais quelques doutes il y a 3 ans sur notre capacité à développer des voitures électriques qui puissent réellement être efficaces, c'est-à-dire faire plus de 100 km. Et finalement, c'est Elon Musk, le PDG de Tesla, qui a rendu crédible la voiture électrique. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Immédiatement, les Allemands, près de Munich, ont créé des campus sur le modèle des campus californiens pour développer la voiture électrique. C'était BMW, Audi et Mercedes. Alors finalement, est-ce que ce n'est pas plutôt l'entreprise et la société civile qui vont avoir ce rôle d'initier ce développement énergétique ? Merci. Alors je doublerai ce que vous venez de dire de l'initiative qui a été présentée lundi dernier par Bill Gates et plusieurs très grandes fortunes de ce monde. Et la question était de se dire, mais c'est vrai que finalement, les entreprises sont peut-être plus puissantes si elles veulent s'y mettre que les États. Je crois qu'on a déjà un peu répondu à cette question. Oui. C'est-à-dire que dans une entreprise, on la dirige. On connaît, on met les gens capables à chaque poste. Donc on a soit un bateau où tout le monde va dans le même sens, soit un bateau à rames où tout le monde rame dans le même sens, soit un avion, on va dans la même direction. Donc on a une possibilité d'agir. Ce qui est très gênant avec les politiques, c'est que ça change tout le temps et il n'y a pas forcément les gens capables pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est plus facile pour nous, je dirais, hommes d'entreprise, de pouvoir entreprendre et de faire quelque chose. Pour la politique, c'est très compliqué. Et c'est aussi ce qui explique que les entrepreneurs, on n'a pas tellement envie d'aller dans la politique parce qu'on a l'impression qu'on va perdre le contrôle. Quand on a une vision dans une entreprise, on arrive à l'appliquer. C'est pas évident qu'on arrive à l'appliquer au niveau politique. Moi, je serais incapable,
et là je le reconnais, je serais incapable de rentrer dans la politique. Je deviendrais grossier, je m'énerverais parce que ça n'avancerait pas assez vite. Chez nous, quand on décide quelque chose dans une entreprise, on arrive à l'implémenter dans un an, dans deux ans. C'est-à-dire des projets... quand on réfléchit au futur, c'est là où est-ce que je vois mon entreprise dans 5 ans, dans 10 ans. Ça, c'est important. Mais qu'est-ce que je dois faire quand on dit il faut faire ça, on le fait tout de suite. Donc il y a un très très gros décalage. Alors je ne travaille pas dans le monde politique, puisque les produits de beauté et les parfums, c'est un petit peu éloigné. Mais je comprends et je vous dis, je serais incapable d'être politique. Donc donnons-leur de l'aide, donnons-leur des conseils. De temps en temps, ils viennent nous voir. C'est ce qui s'est passé, comme l'expliquait Bertrand, pendant la COP21. Et j'espère qu'ils prendront les bonnes décisions. Mais c'est vrai que quand on nous dit en 2020, 2025, c'est trop loin. On ne réfléchit pas comme ça. Allez-y. C'est un sujet très intéressant, la politique ou l'entreprise. Parce qu'on a l'impression que les entreprises attendent que le monde politique décide pour savoir dans quelle direction ils peuvent investir. Et puis le monde politique dit, c'est pas à nous de faire l'économie privée, donc c'est à l'industrie de se débrouiller pour ce qu'elle veut produire. Et le résultat, c'est que ça avance très, très lentement. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques bons hommes politiques, il y a quelques bons entrepreneurs, et ça donne de l'espoir, parce qu'on voit que les choses bougent un tout petit peu. Mais imaginez-vous que le monde politique prenne vraiment sa responsabilité, c'est-à-dire pas simplement de manager le quotidien, mais d'être un leader pour le futur, à ce moment-là, il mettrait en place des directives, des incitations et un cadre légal qui permettent à l'industrie d'aller beaucoup plus vite. Parce qu'il faut bien voir une chose, s'il y a 10 ou 15 ans, le monde politique avait dit aux entreprises automobiles que le maximum autorisé 5 ans plus tard, ce serait 3 litres au 100 km, de consommation ou d'équivalent de consommation, eh bien on aurait gagné beaucoup de temps, mais énormément de temps, parce que pendant 6 mois, les constructeurs automobiles auraient rouspété et ensuite ils seraient mis au boulot, et 5 ans plus tard, il y aurait eu des moteurs hybrides, hydrogène, biofuel, turbo, n'importe quoi, mais en dessous de 3 litres au 100. Et plutôt que d'attendre et de tergiverser, on aurait avancé beaucoup plus vite. Et le scandale VV n'aurait pas eu lieu à part ça. Donc on voit qu'on a besoin d'être dirigé. Les entreprises sont dirigées, les pays devraient être dirigés aussi de manière beaucoup plus claire. J'ajoute ce qui est quand même très intéressant, c'est que les deux voitures électriques les plus connues, la Blue Car ou la Tesla, c'est fait par des gens qui n'avaient rien à voir avec la voiture. Donc ce sont des gens qui sont partis du principe que impossible n'existait pas, et parce que c'était impossible, ils l'ont fait. C'est quand même étonnant que les deux voitures les plus connues aujourd'hui soient créées par des hommes d'affaires qui n'étaient pas dans l'industrie automobile. Bien sûr. Ça fait réfléchir. Hein. Oui, quelque chose à ajouter ? Simplement, non, c'est vrai que si demain matin, le meilleur ministre qu'il nous faudrait, c'est un poste à pourvoir, c'est le ministre de l'avenir. Hein. C'est vrai qu'on a vraiment bravo. Et pour être très concret, pour répondre à, dans notre domaine de recherche et développement, c'est vrai que les premiers contacts sérieux et contrats qu'on a eus, c'est parce que dans certains domaines de l'industrie, les législations changent, donc il faut trouver des solutions demain matin. Et aussi, ça fait plaisir, ce sont les clients finaux, donc les vendeurs, on va dire, de produits divers et variés, qui viennent nous voir. Et nous allons ensemble voir les transformateurs, donc les intermédiaires qui sont des industriels qui n'ont pas, parce que ils sont dans leur réalité, il n'y a pas les législations, etc. Mais il y a une demande du public aussi. Donc je pense qu'il faut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le pouvoir est dans nos portefeuilles très fortement au quotidien. Il vaut mieux acheter du meilleur mais du bon et en moins grande quantité parce que c'est mieux. Mais ça nous regarde tous les jours, tous quoi. Et ça c'est réconfortant. Parce qu'on se dit tous les jours, on peut faire un petit truc bien. Une autre question. Ah, monsieur qui est habillé de circonstance, là, en vert. Bonjour à tous. Alors, Bertrand Picard, vous avez beaucoup parlé de technologie propre. Et du coup, on vit dans un monde fini et on entend beaucoup parler donc, de la raréfaction du pétrole, mais également la raréfaction des matériaux. Du coup, donc, toutes ces solutions un peu haute technologie et high-tech, est-ce que c'est vraiment des solutions et est-ce qu'on n'est pas en train de nous faire miroiter encore des solutions?
Et aussi l'autre question, ce serait, est-ce que nous ne sommes pas encore en train de rester dans, dans le avoir, plutôt que de passer vers quelque chose qui serait l'être? Alors là, si vous connaissez une manière de changer la nature humaine, à ce moment-là, je suis tout à fait d'accord qu'on les transforme par un coup de baguette magique, exactement comme vous dites. Des gens qui seraient dans l'être plutôt que dans l'avoir, qui seraient dans l'altruisme plutôt que dans l'égoïsme, qui seraient dans la décroissance plutôt que dans la croissance, qui se contenteraient de peu, qui resteraient chez eux, comme on vivait en 1960. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, on peut s'évertuer à essayer désespérément de faire changer l'être humain pour le rendre raisonnable, et on se casse les dents, parce que si ça marchait, ça, on le saurait, on l'aurait fait. Ou bien alors, on tient compte de la nature humaine, de son besoin de possession, d'avoir, son besoin de croissance, son besoin de faire toujours mieux et d'avoir davantage. Et puis on essaye, pour économiser ou pour éviter les dégâts, on essaye de lui donner des moyens qui sont plus propres que ce qu'il a aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on peut avoir des maisons qui ne consomment pas d'énergie extérieure, d'accord ? Suffisamment isolées, pompe à chaleur, ampoule LED et panneaux solaires sur le toit. Donc, vous pouvez déjà, à ce niveau-là, éliminer la pollution des maisons. Vous pouvez rouler en voiture électrique, en chargeant vos voitures chez vous, ou en fabriquant votre hydrogène chez vous. Ça, vous pouvez aussi. Il restera de l'alimentation, c'est vrai qu'il faut produire de l'alimentation, c'est vrai qu'il faut produire des habits, c'est vrai qu'on va continuer à bouger parce que les gens ont envie d'aller en vacances, mais vous pouvez déjà aujourd'hui facilement, quand je dis facilement, c'est pas au niveau de l'implémentation, mais c'est au niveau des solutions disponibles, vous pouvez diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que vous pouvez déjà résoudre le problème des changements climatiques. Alors, si ensuite, il y a des problèmes d'approvisionnement en métaux rares pour votre téléphone portable, en produits naturels pour, ressources naturelles pour tout ce qu'il faut, eh bien, c'est vrai qu'à ce moment-là, s'il y a une raréfaction, le prix montera, puis que le marché va équilibrer le tout. Mais ce qu'on ne peut pas faire maintenant, c'est se dire, et ça je me bats vraiment là contre, on ne peut pas dire aux gens, changez votre nature humaine, soyez raisonnable, et puis attendre qu'ils le deviennent. Parce que si on attend que l'être humain devienne raisonnable, on arrivera à la fin de notre civilisation, comme les Égyptiens, les Babyloniens, les Assyriens, les Grecs, les Romains et les Mérovingiens ont fait. Ils ont tous cru leur société éternelle, leur civilisation éternelle, et ils se sont tous écroulés. Il n'y a aucune raison objective que notre société, notre civilisation ne s'écroule pas. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas attendre. Si on veut que notre civilisation ne s'écroule pas, il faut agir. Et il faut agir avec des moyens qui soient raisonnables, qui soient utiles, qui soient faisables. Il faut sortir du wishful thinking, cette utopie consistant à croire qu'on va changer l'être humain. Non, l'être humain ne va pas changer, mais par contre, on peut lui donner des moyens d'être moins nuisible et moins néfaste. Christian Courtin-Clarins, alors là, je vous provoque un peu. Quand vous entendez dans la bouche de Bertrand Piccard le mot de décroissance, qu'est-ce que vous dites, vous ? Alors, le mot décroissance, c'est pas un objectif. Moi, je pense. C'est pas dans ma bouche, hein, le mot décroissance. Vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai dit qu'il y a des gens qui prônent la décroissance, mais que c'est impossible. Non, attendez, est-ce que j'ai pas été clair ? Si le modérateur a pas compris, vous risquez de pas avoir compris non plus. Je dis qu'il y a des gens qui prônent la décroissance et que c'est impensable. D'accord. Personne ne veut la décroissance, sauf 5% de la population. Donc, il faut donner des moyens pour pouvoir vivre de manière plus propre. Et. Pardon. T'inquiète pas, je t'avais bien compris. C'est pour ça que j'étais en train de réfléchir. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut mieux consommer. C'est-à-dire que, je le dis d'une autre façon,
que ce soit pour la nourriture, on peut manger un tout petit peu moins quand on voit tout, d'abord tout le gâchis. Chez nous, il y a le problème de gâchis, c'est-à-dire que tu as oublié le problème de gâchis dans ta démonstration, tout ce que l'on peut jeter. Il y a un début de sensibilisation de la société française de ce point de vue. Il y a un début de sensibilisation et tant mieux. Mais on peut aujourd'hui très facilement réduire, c'est-à-dire par les actes de chacun. Moi, je ne fume pas, j'ai fumé. Je roule en scoot. Le nombre de mégots que je reçois quand je roule, parce que les gens, ils fument dans leur voiture et puis ils le jettent comme ça. Alors du coup, j'ai mis une jupe, parce que sinon, une jupe de scooter, hein, vous inquiétez pas. Mais si vous voulez, alors je me suis intéressé et à un moment donné, j'ai demandé à un magazine qui s'appelle Oui Demain combien il y avait de mégots qui étaient jetés. On m'a dit 54 milliards de mégots sont consommés, de cigarettes sont consommées, et il y a 34 milliards de mégots qui sont jetés. C'est-à-dire que l'action de chacun, des gestes quotidiens, vous les connaissez tous, les gestes quotidiens, entre éteindre de la lumière, entre je sais pas, prendre, quand on prend une douche sur un bateau, on s'habitue à se mouiller, et puis on éteint l'eau, et puis on se lave. Et puis après, il y a les constructions. Moi, par exemple, là, je ramène un tout petit peu à mon univers. L'immeuble, le nouvel immeuble Clarins. Donc, on l'a construit pour pouvoir regrouper, puisqu'on avait eu la chance d'être une société qui grandissait. Donc, un jour, on s'était éparpillé. On a remis tout le monde. Cet immeuble, il a été fait aux normes HQE. On a reçu cette année, et j'en suis très fier, excellent. C'est-à-dire qu'on est au maximum. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Le hall d'entrée, on s'est inspiré des puits, ce qu'on appelle les puits canadiens, ou du système de la termitière, si on fait du biomimétisme. C'est-à-dire qu'on a fait des tuyaux qui descendent à 10 mètres en sous-sol, qui vont chercher de la température, à 16 mètres en sous-sol, qui vont chercher de la température qui est à 10 degrés, et ça remonte. C'est-à-dire qu'en été, s'il fait 30 dehors et de l'air frais arrive à 10, ça va faire une température moyenne de l'ordre de 24-25, ce qui est très bien. Mais on fait une économie. On a zébré aussi notre bureau, puisque vous connaissez la théorie des stries sur les zèbres. C'est à la fois pour protéger les petits, mais ça, le noir va attirer la chaleur, le blanc va la réfléchir, ce qui va faire un courant d'air, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Et aujourd'hui, on peut construire des immeubles où on est très bien, qui sont très modernes, je vous invite à venir le voir, et qui sont totalement en haute qualité environnementale. Donc la technologie nous permet ça, et on ne pouvait pas. Dans les anciennes usines, pour les mettre aux normes, ça prend beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, quand on construit un immeuble neuf, on peut faire un immeuble qui peut même avoir de l'énergie positive. Donc oui, je suis tout à fait en accord avec Bertrand, parce que je pense que la technologie va nous permettre d'améliorer toutes les erreurs qui ont été faites dans le passé et de diminuer la pollution. Alors, il est 16h. Malheureusement, on ne va pas tarder à quitter cette scène. Je vais vous demander à chacun d'entre vous 30 secondes de conclusion, un peu générale. Être homme, c'est être responsable. Comment vous voulez conclure l'échange que nous avons eu tous ensemble cet après-midi? On va commencer par vous, Roland. Alors, je n'avais pas réfléchi forcément à la question, mais je reprends ma formule de tout à l'heure. Pourquoi on se lève le matin? Moi, j'essaie de me lever heureux le matin. Ce n'est pas toujours facile, hein, de se lever, tout simplement parce qu'on dépense moins d'énergie à rire qu'à pleurer. Et d'un point de vue énergétique, c'est intéressant. On consomme moins comme ça. Et je pense que pour moi la formule, on passe sa vie à chercher le chemin du bonheur, alors que le bonheur c'est le chemin, quoi. Et ça renvoie à tout ce qu'on peut faire tous les jours. Et puis une dernière formule, c'est le colibri de Pierre Rabhi, c'est-à-dire que voilà, parce que le bonheur c'est le chemin, et ben le colibri, je vais pas vous faire son histoire et sa légende, ben il fait sa part, avec sa goutte d'eau, et je pense que ça nous sert de moteur pour tout le reste, et les innovations, elles seront joyeuses et positives, et à partir de là, on est dans un cercle vertueux. Merci. Bertrand. Imaginez-vous que vous soyez tout seul au monde. Tout seul. Qu'il n'y ait personne d'autre. Ça vous plaît cette idée?
Eh bien, la responsabilité, c'est de réaliser qu'on n'est pas tout seul. Et c'est d'en ressentir un sentiment plaisant. Parce qu'on voit à quel point ce serait horrible d'être seul. Eh bien, savoir qu'il y a des autres, savoir qu'on est en lien avec les autres, savoir qu'il y a des relations, savoir qu'il y a des échanges, si on oublie l'horreur d'être tout seul, eh bien, on se dit parfois c'est ennuyeux les autres, ils me forcent à faire des choses, ils me forcent, j'arrive pas à faire tout ce que je veux, et puis je dois tenir compte de choses, etc. Et puis on part dans des tas d'élucubrations. Eh bien, rappelons-nous simplement le bonheur qu'il y a d'être en relation avec les autres. Être responsable, c'est réaliser que nos actions ont une influence sur les autres et que les actions des autres ont une influence sur nous. Et ça, c'est extraordinaire quand c'est pour le bien qu'on le fait. Merci. Christian Courtin-Clarins, vous avez le dernier mot. Pour la responsabilité ? Oui. Alors d'abord, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Être responsable, il y a à la fois être coupable, il ne faut pas se sentir coupable, il faut être garant de l'avenir. Et pour moi, la plus grande responsabilité, c'est l'éducation de nos enfants. Car aujourd'hui, il y a un manque de civilité, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on était tout seul, ce serait une catastrophe, mais pour vivre ensemble, il faut vivre en harmonie. Et je pense qu'on doit, dans l'éducation de nos enfants, leur apprendre la civilité, le bonheur de vivre ensemble, le bonheur d'accepter des différences. Et ça, nous pouvons compter dessus, nous-mêmes. Notre responsabilité, c'est d'éduquer nos enfants d'une façon très correcte. Alors ici, je vois qu'il y a beaucoup de femmes. Et donc... Et pourtant, on vous voit, c'est dommage parce qu'on ne vous voit pas très bien avec les éclairages. Et donc, vous avez en grande partie cette responsabilité car vous avez donné la vie, vous savez ce que donne la vie. Donc, apprenons à nos enfants tous ensemble à vivre en responsable car Saint-Exupéry a dit « Être responsable, c'est être un homme ». Donc, maintenant, je dirais « Être responsable, c'est être une femme ». Merci. Merci. Merci à tous les trois, vous avez été brillants, c'était chaleureux, sympathique, créatif. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup.